Je saisis donc cette occasion pour rappeler aux uns aux autres que les mesures édictées le 17 mars 2020, qui n'ont pas été expressément levées par le président de la République, sont et demeurent en vigueur. Il s'agit, entre autres, de l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes sur toute l'étendue du territoire national, du recours autant que possible du télétravail et aux moyens de communication électronique en particulier pour l'organisation des réunions, surtout lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée, de la suspension des missions à l'étranger des membres du gouvernement et des agents du secteur public et parapublic, sauf dérogation expresse, du port systématique du masque de protection individuelle dans tous les lieux publics et du respect de la distanciation physique. Dans la perspective de renforcer notre dispositif de prévention, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'engager des démarches auprès des organismes partenaires en vue de l'acquisition des vaccins contre le COVID-19. Plus d'un million de doses de vaccins seront disponibles à très brève échéance. Lorsque ces vaccins seront mis à notre disposition, un plan de vaccination sera mis en œuvre sous la base du volontariat. Je voudrais préciser à ce sujet que même si la vaccination est volontaire et non obligatoire, le gouvernement encourage tous les Camerounais à se faire vacciner au moment venu afin d'acquérir l'immunité qui permettra à la communauté de se prémunir contre le COVID-19 et de retrouver une vie normale.